Bonjour à tous. L'essentiel de l'actualité de ce samedi a commencé, bien sûr, par ces audiences du vice-président de la République. Simon Komeli Kone a accordé tout d'abord ce vendredi à l'ambassadeur d'Égypte en Côte d'Ivoire, Wael Badawi. Simon Komeli Kone a également échangé avec la commissaire de l'Union africaine pour la santé, l'humanitaire et le développement social, Minata Samaté, coopération et sécurité alimentaire au cœur des échanges dont nous parle Jérôme Kofi Aboulin. Elles sont deux personnalités que le vice-président de la République a successivement rencontrées ce vendredi au palais présidentiel. Pour la première rencontre, Timoko Meliet Kone a eu pour hôte la commissaire de l'Union africaine, Samaté Sesouma. Au centre des échanges, l'engagement de la Côte d'Ivoire a travaillé étroitement avec l'Union africaine. Comment on peut trouver une solution à cette problématique de la nutrition sur le continent africain? Ce thème a été proposé par son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, qui a été accepté par ses pairs. Et nous sommes venus échanger avec les autorités ivoiriennes sur la feuille de route que nous avons, comment nous pouvons travailler ensemble et surtout saluer le rôle de la Côte d'Ivoire en termes d'activité, en termes d'engagement pour nous permettre d'atteindre les objectifs. Autre personnalité, autre entretien, Timoko Meliet Kone et l'ambassadeur d'Égypte en Côte d'Ivoire ont parlé de la coopération en divers domaines entre les deux pays. C'était vraiment une audience vraiment très très productive. Nous avons discuté de la coopération entre l'Égypte et la Côte d'Ivoire. Nous avons évoqué les différents domaines que couvre cette coopération dans plusieurs secteurs. La santé récemment, aussi le potentiel de la coopération dans le domaine de la construction et bien d'autres. Dans le renforcement des capacités aussi, ici, nous avons aussi évoqué une série de coopérations entre les deux pays. Coopération exemplaire entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte, le diplomate égyptien dit être pleinement engagé à tout mettre en œuvre pour son renforcement au bénéfice des deux pays. On poursuit dans la diplomatie. Fin de mission pour l'ambassadeur d'Égypte en Côte d'Ivoire. Après 7 ans de présence dans notre pays, Bougetaïa Mohamed Abdelaziz a fait ses adieux à la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères Kandia Camara. Le reportage de Laure Goretti dans un commentaire de Konate Moussa. Bougetaïa Mohamed Abdelaziz, l'ambassadeur d'Algérie, quitte le pays. C'est la fin de sa mission en Côte d'Ivoire qui a duré 7 ans. Il a été reçu par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Kandia Camara. 7 ans et demi m'ont permis de, au moins de constater quelque chose. Et je ne le dis pas pour vous faire plaisir. Je crois que l'Ivoirien est sage, humble, très ouvert. Je quitte la Côte d'Ivoire avec la conviction que l'usure du temps ne va pas altérer mes relations avec ce pays parce que j'ai laissé des amis, des frères et avec l'aide de Dieu, je reviendrai. La Côte d'Ivoire et la République démocratique et populaire d'Algérie entretiennent des relations diplomatiques depuis 1964. En reconnaissance des activités diplomatiques de Bougetaïa Mohamed Abdelaziz, il est élevé au grade de commandeur de l'ordre national. Bougetaïa Mohamed Abdelaziz, ambassadeur de la République algérienne démocratique et populaire en Côte d'Ivoire. Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons commandeur de l'ordre national de Côte d'Ivoire. Plusieurs accords existent entre les deux pays et elles traduisent bien la qualité des liens de fraternité et de coopération dont le point culminant est la visite du président de la République, Alassane Ouattara, en Algérie, au mois de mai 2016. Voilà, fin de mission donc pour l'ambassadeur d'Algérie en Côte d'Ivoire. Un reportage de Laure Goretti commenté par Jean-Marc Djadji. Depuis le 2 mai dernier, 28 officiers stagiaires étaient en formation à l'école de gendarmerie de Tourguier pour prendre part au cours des commandants d'unité de gendarmerie. En fin de stage, ce 2 septembre, ils ont reçu leur diplôme lors d'une cérémonie qui s'est tenue à l'école de gendarmerie. Regardons.
Ils viennent de finir un stage de 4 mois à l'école de gendarmerie de Torogué, à quelques kilomètres de la ville de Daloa, dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire. C'était à l'occasion du 4e cours des commandants d'unité de gendarmerie CCUJ. Ces officiers stagiaires sont au nombre de 28, dont 15 Ivoiriens et 13 issus de pays de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. Mon général, il convient à nouveau de vous témoigner notre infinie gratitude en ce que vous avez voulu cette session inédite. Par son ouverture aux pays frères et amis, vous lui avez donné une dimension internationale. Ce stage nous a été très enrichissant, au même titre que les autres stagiaires, notamment sur le triple plan tactique, académique et spécifique à l'arme de la gendarmerie. Ces acquis nous permettront sans nul doute de tenir de manière efficiente le commandement d'une unité de gendarmerie dans nos pays respectifs. Ces officiers ont été formés dans différents domaines, notamment l'instruction académique, tactique et spécifique à la gendarmerie. Le général de corps d'armée, commandant supérieur de la gendarmerie nationale à Palotouri, venu les encourager, ne manque pas de leur prodiguer des conseils d'usage sur l'honnêteté, l'organisation et la performance dans leur mission. Aujourd'hui, vous avez fait un stage qui est très important dans la carrière d'un officier. Le cours des commandants d'unité. L'État, vos différents États ont confiance en vous, parfaitement confiance en vous, et que vous devez mériter cette confiance. Mais le mérite de la confiance passe par un certain nombre de choses. Il faut avoir la connaissance. Un officier qui n'est pas instruit au 21e siècle, un officier qui ne s'instruit pas, un officier qui n'apprend pas, qui fuit l'apprentissage, il ne peut pas être compétent. La formation des officiers au cours des commandants d'unité de gendarmerie CCUG est à sa 4e édition et c'est la première fois que les cours sont ouverts à d'autres nationalités. C'est aujourd'hui, samedi 3 septembre, qu'auront lieu les élections législatives partielles à Miyagi, une élection placée sous le sceau de la réconciliation par les populations. C'est ce que nous apprend Eric Ogori. Miyagi, localité située à 51 km de Soubré. Les populations vaguent paisiblement à leurs activités quotidiennes à la veille de l'élection législative partielle qui aura lieu ici. Nous prions d'abord pour que les élections se passent dans de bonnes conditions ici, dans la région de Miyagi. Voilà. Et que le gagnant, tout le monde soit content pour sa victoire et que le perdant soit aussi d'accord pour sa défaite. De son côté, la commission électorale indépendante met tout en œuvre pour le succès de ce processus. Avec tous les détails, avec toutes les questions que nous avons eues à reprendre, à poser, notre message a été entendu. Tout est fin prêt, rassure Yoli B. Maguerite, superviseur de la CEI. Samedi à 8h00, tous les bureaux de vote seront ouverts, c'est-à-dire les 197 bureaux de vote seront ouverts à 8h00 et fermeront à 18h00, comme prévu par la loi et par les décrets pris en Conseil des ministres. Le préfet de département de Miyagi saisit l'occasion pour inviter les populations de tous bords à l'ordre. Que nos égaux ne fassent pas qu'au terme de cette élection, des personnes soient irritées pour pouvoir semer la violence dans la ville. 51 000 électeurs sont invités aux urnes dans 197 bureaux de vote pour accomplir leur devoir citoyen ce samedi 3 septembre 2022. Que le meilleur gagne. Aboubi Diarabana, c'est à Séguéla. La commission électorale indépendante régionale prend ses dispositions pour garantir un bon déroulement de cette partielle. Le matériel électoral au grand complet est disponible et est acheminé dans les lieux de vote. Les populations souhaitent, quant à elles, que le scrutin se déroule dans un climat de paix. Abou Sanogo nous fait le point. Séguéla, capitale de la région de Ouroudougou. Nous sommes au bureau régional de la commission électorale indépendante.
C'est devenu une habitude. À la veille de chaque scrutin, la commission électorale indépendante et locale prend ses dispositions. Les isoloirs, les urnes et le matériel électoral destiné à l'organisation du scrutin législatif partiel dans la sous-préfecture de Séguéla, précisément à Bobby-Dioulasso, sont prêts. Depuis hier, nous avons réceptionné le matériel électoral. Et depuis ce matin, nous sommes en train de les ranger pour faire le classement pour les évacuer sur les lieux de vote. Tout le matériel électoral est en place. Les différents personnels ont été formés à cet effet. Avant-hier, nous avons suivi la formation. Ils ont répondu présent. Le matériel électoral sera acheminé à temps dans les lieux de vote. Nous allons respecter l'heure indiquée par la CEI. Il n'y aura pas de problème. La commission électorale indépendante sous-préfectorale assure. Nous allons vraiment œuvrer pour que cette opération se marche dans les bonnes conditions. Nous mettons le cap sur Diarabana, situé à 26 km de Séguéla, sur l'axe Mena à Kani. Il s'agit ici d'une élection partielle qui vise à remplacer l'ex-président de l'Assemblée nationale Amadou Soumaoro, ex-député de cette localité, décédé le 7 mai dernier. Les populations sont conscientes que cette élection ne doit pas conduire à des violences et à une perturbation de la cohésion sociale. Dans chaque village, chaque chef du village a joué son rôle. Nous voulons tous la paix dans nos villages, la cohésion sociale dans nos villages. Aucun chef n'aimerait avoir un bruit dans son village. Et c'est notre souhait le plus ardent. Et que tout se passe bien, dans l'harmonie. Le mot d'ordre est lancé depuis la chefferie à Séguéla pour que ces élections soient des élections apaisées. Et tout le monde est dans cet état d'esprit. Bobby Dioulasso compte 40 lieux de vote et 54 bureaux de vote. Autre volet de l'actualité, ils sont au total 10 enfants qui ont réussi à accéder à la finale de la télé-réalité 1 à 12. Une télé-réalité basée sur le chant et pour but de découvrir des jeunes talents dont l'âge varie entre 1 et 12 ans. La finale est donc prévue ce samedi 3 septembre. La RTI et ses partenaires se préparent donc pour l'événement. On voit cela avec Prunella Soumon et Serge Collier. Les tentations et les provocations. Voici les 10 pépites retenues pour la grande finale de 1 à 12. Sélectionnés parmi 30 candidats, ces jeunes talents poussent la chansonnette avec enthousiasme. Chaque enfant a une chanson individuelle à interpréter. Et donc, nous les répétions avec nos coachs qui sont ici présents. Une semaine de mise au vert dans un hôtel de la place. Des séances au quotidien dans un studio d'enregistrement. L'encadrement est assuré par Ami Bamba et Aïdissa, deux chanteuses aux qualités vocales reconnues. Quand ces enfants-là nous ont prouvé qu'ils avaient quelque chose et nous, en tant que coach, on a encouragé ces enfants, on leur a appris, on leur a donné un peu de notre savoir. Nous, on a envie qu'à travers ces enfants, notre culture se révalorise. Donc, 1 à 12, ce n'est pas juste chanter. Voilà, c'est toute une éducation qu'on apporte aux enfants. Après le studio, rendez-vous dans la salle de spectacle où aura lieu l'apothéose. Occupation scénique, maîtrise de la voix, prestance, les coachs ne négligent aucun détail. Tout ceci sous la supervision des équipes de la RTI, de Yes Communication et des autres partenaires. Ils seront en prestation live sur deux prestations, en duo et puis en morceau solo. On aura des artistes vraiment confirmés qui vont habiller, donc ce sera vraiment un spectacle à part entière. Un enfant bien soutenu, bien encadré est forcément un potentiel acteur de développement de demain. Et demain, c'est l'avenir. C'est pourquoi j'ai choisi de suivre ces enfants-là. Destinée aux enfants de 1 à 12 ans, cette télé-réalité diffusée sur les antennes de la RTI consacre les meilleures voix. La finale de la saison 3 est prévue ce samedi 3 septembre au Sofitel Ivoire, dans la grande salle de 1700 places. Dans le reste de l'actualité, Paul-Henri Damimba se rend ce samedi au Mali pour une visite d'amitié et de travail. C'est la première visite officielle du président burkinabé à Bamako depuis sa prise de pouvoir le 24 janvier dernier pour être précis. Avec son homologue malien, les deux personnalités passeront en revue plusieurs sujets d'intérêt dans le cadre de la coopération bilatérale. Mais le lieutenant-colonel Paul-Henri Damimba se déplace pour discuter d'abord de coopération militaire afin de freiner l'action des groupes armés terroristes. Excellent samedi à toutes et à tous. Je vous souhaite beaucoup de paix dans vos foyers.